Alors, bonjour, bienvenue à la radio web mobile. Ici votre animateur Jean-Philippe Duré. On a un invité aujourd'hui, Alain Piette. Bonjour. Bonjour Jean-Philippe. Comment ça va? Ça va bien? Ça va très bien. Alors, vous demandez qui est ce monsieur. Alors, ce beau bonhomme, il y a quelque chose à vous offrir, monsieur. Alors, dis-moi, c'est quoi le nom de votre compagnie? Juste Appart, formé de deux choses, gestion et appartement. C'est simple. Expliquez-moi, c'est quoi en fait le geste appart? Mais en réalité, ce que je fais, j'offre la gestion d'appartements, de condos à des personnes qui veulent acquérir des places à revenus, mais qui, pour eux autres, la gestion, c'est peut-être un petit peu moins facile. Ils ne sont pas habitués à ça. Fait que moi, j'offre ce côté-là. Puis, quel créneau que tu veux couvrir? Ben, écoute, il y a dans la gestion immobilière des compagnies qui couvrent des gros buildings, immeubles en bon français, et qui, moi, je ne veux pas rentrer dans ce genre de choses-là. Je veux juste avoir des propriétaires de petites places, un appartement jusqu'à peut-être 8 appartements, pour être capable de donner un service plus personnalisé. J'aime mieux donner le service pour ce genre de choses-là que d'avoir à offrir trop de choses et de devenir impersonnel. Donc, réponse, créneau entre 1 et 8 appartements. Génial. Mais en passant, dans quel secteur vous occupez-vous? Bien, présentement, je couvre Rive-Sud au complet et je couvre Montréal. J'ai des appartements qui sont autant à Longueuil que dans Montréal, dans Anjou, ou différentes choses comme ça. Donc, je couvre Montréal et Rive-Sud. J'ai tout ce qu'il faut pour être capable de combler à la demande. Ah, bien, génial. Dites-moi aussi, combien d'années d'expérience dans la gestion de Bien, moi, ce que je dis, c'est qu'on est aujourd'hui la somme de nos expériences. Dans la somme de nos expériences, j'ai quand même plusieurs années, autant en gestion de différentes compagnies, autant en immobilier, parce que je suis de base courtier immobilier. Donc, depuis le début des années 2000, je suis en courtage immobilier. Des commerces, j'en ai eu depuis les années 80. Donc, si je mêle tout ça, je peux dire que j'ai 25 à 30 ans d'expérience au niveau gestion et gestion immobilière. C'est super! Vêtre, donc. Oui. Bon. J'ai entendu parler que vous développez une branche créneau commercial. C'est quoi ça en fait? Que vous avez développé? OK. Présentement, ce que j'essaie de faire, c'est dans des petites villes, des villes où est-ce qu'il manque des services, de trouver des espaces et d'être capable de les aménager pour les mettre à disposition de professionnels. Présentement, je suis en train d'en développer un à Saint-Mathias. J'ai des professionnels de la santé, des médecins aussi qui veulent peut-être se joindre à ces genres de choses-là et qui voudraient peut-être s'implanter dans des places comme Saint-Mathias, il y a tout près de 5000 de population et il manque de services, il manque de différentes choses qui peuvent être utiles à une population de cette grandeur-là. Et dans mon créneau commercial, bien, j'essaie de développer ça. Je suis pas philanthrope, mais à quelque part, s'il manque un service, pourquoi pas le combler et l'offrir. Puis, quel est les noms de développement de vos services? Que je sois dans le commercial ou dans le résidentiel, moi, je vais donner du service au niveau, quand on parle de gestion, surtout de dire que la personne qui investit a besoin d'avoir quelqu'un qui va amener les connaissances qu'il lui manque. Moi, en gestion, je suis capable de faire gestion, mais ça inclut quoi? Ça inclut pas mal plus de dire j'ai un gros réseau alentour de moi. Les personnes qui m'appellent comptent sur le fait que je vais être capable de les dépanner à peu près en toutes circonstances. Donc, s'ils ont besoin
que ce soit simplement de louer quelque chose. Ben, je suis là et je fais la location, je signe les baux. Je vais, s'il y a une réparation à faire, je vais m'en occuper. Je vais faire l'ensemble de la gestion qu'eux autres mêmes auraient fait, et même plus loin, parce qu'eux autres, souvent, auraient eu besoin de s'adresser à des professionnels, exemple, avocats, notaires, des personnes pour arranger la place. Comme dernièrement, j'ai eu un gros dégât d'eau, mais il a fallu qu'on arrange ça, c'était quand même quelque chose qui était assez majeur. Bien, je m'en suis occupé, mais c'est pas moi qui l'ai réparé. Excusez-moi. Je suis moins manuel que beaucoup d'autres. Fait qu'on a fait affaire avec des compagnies qui, eux autres, c'est leur spécialisation. Mais tout ça fait partie de mon réseau et je dois avoir un grand réseau pour être capable de répondre à la demande ou à chacune des demandes de mes clients. Et c'est sur ça qui compte. Mon réseau est très grand. J'ai énormément de personnes que je connais dues à l'expérience que j'ai de 25 à 30 ans dans les domaines immobiliers et gestion. Donc, je veux leur offrir un petit peu tout ce qu'ils ont besoin au niveau de la gestion. Alors, vous écoutez la radio à mon vous entendez à l'Impiette. Alors, si on veut vous rejoindre, par quelle façon, moyen on peut vous rejoindre? Bien, j'ai surtout deux choses. J'ai mon courriel. Le monde peut me rejoindre facilement sur mon courriel à l'Impiette. Donc, c'est A-Piette, P-I-E-T-T-E, A commercial live, L-I-V-E.ca. Pourquoi live? Et vous pouvez surtout me rejoindre sur mon cellulaire 514-951-9882. Je pense que j'ai eu un cellulaire le lendemain que Mathusalem a réussi à retrouver son chemin. Fait que moi, là, j'ai un cellulaire avec le même numéro de téléphone depuis 30 ans. Donc, le monde qui me connaisse savent 514-951-9882, c'est Alain Piette. Alain Piette avec la compagnie Gestapart et toute la gang qui est alentour. Alors, si vous voulez avoir un bon gestionnaire, Gestapart, vous avez vu la radio mobile, les vidéos, allez téléphoner, n'hésitez pas, vous avez tous les renseignements possibles. Je vous remercie beaucoup, M. Alain, bien, ça fait très grand plaisir d'être là en direct de la radio mobile. Alors, j'espère que puis, je serai là, présent, pour vous aller visiter aussi sur Facebook, je vais publier la fiche. Merci beaucoup, passez une bonne journée. Merci Jean-Philippe, à la prochaine. À la prochaine, salut tout le monde. Vous écoutez la radio de la mobile.